chaîne Eagles TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'interview du numéro 17, Raphaël Desroses, suite au match Limoges-Brest. Bonsoir, donc nous sommes aujourd'hui avec Raphaël Desroses qui a eu la gentillesse de nous accorder cette interview. Donc Raphaël, concernant ton arrivée au CSP, t'es arrivé un peu plus tard que les autres. Comment ça s'est passé? À son plan humain, j'étais agréablement surpris, quoi. C'est super bien passé. Après, côté terrain, je ne suis pas satisfait de ce que je suis en ce moment, j'ai un peu de mal à me trouver dans l'équipe, parce que c'est un nouveau rôle, un nouveau registre. Mais heureusement, dans tout ça, l'équipe m'aide bien, parce que tous les gars que j'ai avec moi en entraînement, c'est un plaisir de travailler avec eux, le coach, ça se passe bien aussi. Et on gagne, donc c'est plus important, quoi. Je pense que les victoires passent avant Raphaël Desroses. Donc concernant justement le championnat, on est toujours premier, on est sur une belle série. Comment t'apprends le match de la semaine prochaine? Comme tous les matchs, c'est-à-dire qu'on se soucie plus de nous-mêmes que de l'adversaire. Quand on joue dur, comme ce soir, on a vu, que ce soit Boulazac, qui était l'équipe qui avait du mal en ce moment, ou Brest, qui était une équipe en pleine bourre, quand on défend comme on a fait ce soir et qu'on commence à mettre en plus des paniers en attaque, ça crée des gros écarts. Donc je pense que si on continue à défendre aussi dur, c'est un peu une assurance tout week, ça nous a servi à passer à Clermont où c'était un match difficile, mais quand on les tient à 60 points, on arrive à gagner d'un point à la fin. Le seul match où on a un peu explosé pour l'instant, c'est Lille. Pau, j'étais pas là, donc j'ai pas vu. Mais c'est vrai que depuis qu'on est aussi solide en défense, ça nous aide à passer tous les remparts. Et t'es confiant pour la suite? Ah, je suis confiant. Après, maintenant, la confiance, ça suffit pas. Faut aussi jouer. Mais je pense que les gars, maintenant, il y a une alchimie qui s'est créée, il y a une ambiance qui s'est créée. Et je pense qu'on joue tellement dur en défense qu'on peut, voir loin avec cette équipe. Donc maintenant, on va parler du public. Depuis ton arrivée à Limoges, qu'est-ce que t'en penses? Non, franchement, c'est par exemple d'être là comme ça, une ambiance d'après-match comme ça, il n'y a pas encore connu. Moi, jusqu'à présent, la référence, c'est Bourg-en-Bresse, où il y avait un public aussi pareil, très fidèle. Mais après, ici, c'est une salle de 6 000 personnes. Donc, quand il y a 6 000 personnes comme ça, c'est vrai que c'est spécial d'avoir des clans de supporters comme ça aussi passionnés, c'est vrai que c'est toujours un plus. Après, il y en a qui vont dire des fois ça met de la pression, moi je trouve que ça motive surtout pour jouer. Après, quand on n'est pas bon, de toute façon, on n'est pas bon. Mais au moins, ça donne de l'énergie pour aller se décupler par rapport à défense. Donc, c'est vrai que c'est un appui super. T'as un petit mot justement pour les Eagles ce soir? Oh, merci de continuer. Donc j'ai vu que c'était en haut à gauche, ça peut encore s'étendre, il n'y a pas de problème, il y a de la place dans la salle. Et non, c'est agréable d'avoir un club de supporters comme ça, j'espère que vous supporterez dans tous les moments, quoi, que ce soit dur ou pas. On sait que la saison ça peut être long, qu'il y a deux moyens d'aller en proie, c'est le championnat ou les playoffs. Quoi que l'on soit, ne pas nous juger avant la dernière journée. Quoi. Parce que j'espère qu'on ira au bout, on a de quoi aller au bout. Donc j'espère qu'on pourra faire toute la fête à la fin d'année. Quoi. Et bien on la fera la fête peut-être. Ouais, il y a du champagne en plus là, donc si on peut faire fêter ça. Ben, merci Raphaël. De rien.